Bonjour, on va parler aujourd'hui de Laura Smet, la fille de feu Johnny Hallyday. C'est une bonne nouvelle pour la jeune femme puisqu'elle vient d'être maman d'un petit garçon. Elle a donné naissance à son enfant l'après-midi du 7 octobre, un petit garçon qui est son premier enfant avec son mari. Et on a une jeune maman de 36 ans. Bonne nouvelle pour elle, c'est un enfant qui vient clôturer un chapitre assez douloureux dans sa vie, celui de la perte de son papa. C'est un renouveau pour le clan Hallyday puisque c'est le deuxième petit garçon dans la famille, un sang nouveau dans la famille Hallyday. Donc on est très content pour elle, on lui souhaite vraiment que du meilleur. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les Hallyday qui vont mettre les dernières années derrière eux, des années de bataille pour l'héritage de leur papa, l'héritage de Johnny Hallyday qui est décédé en décembre 2018. Et par rapport à cela, elle disait être soulagée de la fin de son combat avec Laetitia Hallyday, son ex-belle-mère. Voici ce qu'elle écrivait. Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait, qu'on passe à autre chose. Je vais devenir maman. J'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Dont elle confiait ça en juillet dernier. Je suis actrice, je réalise des choses, je n'ai pas du tout envie de passer ma vie à m'occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses. En fait, elle parlait de ce procès qu'elle avait fait à sa belle-mère et elle souhaitait tourner la page, elle souhaitait le bonheur en fait. Elle ne voulait plus avoir à se battre pour l'argent, ce qui est sordide, mais elle voulait rétablir son droit en tant qu'héritière. Peu avant le confinement, elle avait annoncé qu'elle était enceinte, elle avait appris aussi qu'elle était enceinte. Et voici comment elle a réagi. Elle dit: c'était très particulier. Je suis restée avec mon amoureux et mon beau-fils à la campagne. Bizarrement, j'ai bien aimé cette période sans cadre, vivre ce petit répit dans la nature. Donc, elle parle en fait du contexte dans lequel elle a appris qu'elle était enceinte. Donc, aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui attend la jeune femme, une vie de maman, une vie de maman d'un petit garçon dont le prénom est Léo. Il s'agit en fait du premier enfant de la comédienne avec son mari Raphaël Lancré-Javal, mais le second pour celui-ci qui est déjà papa d'un adolescent de 12 ans. C'est une superbe famille recomposée. Mais en tout cas, toutes nos félicitations. Ça rappelle en fait que la nature continue, les choses continuent malgré tout. Je suis sûre que Laetitia sera heureuse d'apprendre une telle nouvelle, ainsi que David. En tout cas, félicitations à la maman, félicitations à la petite famille et encore tous nos voeux de bonheur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.